Bonjour, bon vendredi à tout le monde, bon vendredi matin, bonne fin de semaine. C'est peut-être la fin de la première semaine que vos enfants sont retournés à l'école ou à la garderie. Peut-être que vous-même, vous avez fait un retour au travail, peut-être que cette semaine-là était différente que les dernières, puis c'est vraiment quelque chose à célébrer. Prenez le temps de vous arrêter ce soir, vendredi soir, dernière journée de la semaine, juste pour célébrer cette semaine-là, que ce soit en famille ou en appelant des amis, peu importe, mais prenez le temps de célébrer ces nouvelles choses-là, célébrer d'une façon saine, peut-être vous préparer un souper spécial, plusieurs façons de le faire pour célébrer sainement, mais c'est ça, prenons le temps des fois de célébrer ces choses simples de la vie-là qui changent le retour à la pseudo-normale qui est en train de se passer. Je vais aussi prendre un petit instant pour féliciter Martin puis Vicky, mais un peu plus Vicky qui a fait tout le travail. Bébé Olivier est né vendredi dernier, un petit bébé de 9 livres. Félicitations Vicky, félicitations pour cet enfant-là. On est reconnaissant pour Dieu qui a permis que ça se passe bien. Pour les autres, on vous informe que maman et bébé vont bien. Je sais que vous êtes de retour à la maison. Fait que c'est bien que vous soyez dans le confort de votre foyer plutôt qu'à l'hôpital. On va vous garder en prière dans les prochaines semaines aussi. On sait que les premiers jours, premières semaines sont particulièrement éprouvantes sur le sommeil. Fait qu'on veut vous garder en prière. Mais on voulait quand même vous dire félicitations. Félicitations aux parents, mais aussi félicitations à toute la famille pour ce bébé-là, puis aussi aux grands-parents qui peuvent célébrer l'arrivée de ce nouveau bébé-là. Donc, nous, on va terminer la semaine avec une parabole, la parabole de la semence, qu'on retrouve dans Marc 4. Donc, sans tarder, je vais vous lire le passage. On part à partir du verset 26. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille et c'est le moment de la moisson. » Donc, on parle de la notion de croissance ici. Puis, j'aimerais qu'on regarde cette parabole-là sous deux sens, en fait, son sens primaire, mais aussi un sens secondaire qu'on peut en découler. Puis, vous allez voir, je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, le premier sens de cette parabole-là, c'est « ta job, c'est de semer. Point ». Dans les Écritures, dans un sens métaphorique, la semence, c'est d'exprimer ce qu'on peut semer dans la vie de quelqu'un d'autre ou ce que quelqu'un d'autre sème dans notre propre vie. On est tous appelés, en tant que chrétiens, à semer l'Évangile. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. À prendre la bonne nouvelle qu'on a reçue puis à la transmettre à d'autres. Ça doit venir d'une réelle compréhension de notre rôle parce que parfois, il y a des luttes. Ça crée des luttes en dedans de nous, cette responsabilité-là de semer. Puis, j'aimerais qu'on regarde ça en 5 points. Premièrement, notre job, c'est de semer et non de faire grandir. Je répète, notre job est de semer et non de faire grandir. Au verset 27, ça nous dit « Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » C'est important de comprendre que notre rôle, c'est de semer dans la vie des gens et non pas de contrôler à quel point ça pousse, à quelle vitesse ça pousse et tout ça. Donc, premier point, notre job est de semer et non de faire grandir. Dieu va faire grandir. Deuxièmement, on doit connaître nos dons, les tâches que Dieu nous donne, la tâche ou les tâches, les responsabilités que Dieu nous confie parce que dans le royaume de Dieu, c'est de ça qu'on parle, dans le royaume de Dieu, il y a une façon que ça marche. Puis Jésus est en train de nous expliquer comment ça marche. 1 Corinthiens 3, 6 à 7, je vous le lis. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. » Chacun a sa responsabilité, puis c'est parfait comme ça. On est appelé à faire notre job tout simplement, pas à se comparer. Il y a des personnes qui sont là pour planter, c'est ça qu'on voit dans ce que Paul nous révèle. Il y a des gens qui sont là pour planter, il y en a qui sont là pour arroser. Les deux sont une bénédiction pour la moisson.
Les deux ont leur place, les deux ont leur rôle. On a besoin des différents dons que Dieu donne à son Église. On a besoin de prendre soin, d'évangéliser, de corriger les fausses doctrines. On a besoin de toutes ces réalités-là. On est tous appelés à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais on ne sera pas tous des évangélistes. Puis ça, c'est important de le comprendre, parce que quand on est un évangéliste, on a tendance à vouloir que les autres en fassent autant que nous, ou que les autres fassent la même chose, ou que... Faisons ce que Dieu nous appelle à faire. Laissons les autres faire ce que Dieu les appelle à faire. Troisième chose, on n'a pas le pouvoir de convertir. Ça ne nous appartient pas. Jean 6, 44, Jésus dit lui-même, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Tu n'as pas la capacité de convertir quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'harceler les gens puis de te mettre en colère parce que les gens ne comprennent pas ou que les gens ne se posent pas de questions parce qu'on est dans une période de pandémie puis ils ne se posent pas de questions plus loin que leur nez sur qu'est-ce qui est en train de changer puis pourquoi. C'est comme la situation, comme les gens n'allument pas toutes parce que la situation, elle est différente, mais ça, ce n'est pas ton rôle à toi. Ton rôle à toi, c'est vraiment de semer. C'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que c'est pas ta job de convertir. Si les gens ne comprennent pas, c'est pas parce que tu n'as pas la bonne parole, c'est pas parce que tu n'as pas assez dit, c'est juste parce que les gens sont peut-être pas rendus là. Peut-être que la terre n'est pas prête. Donc, tu es appelé à témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie et de ce que Dieu continue à faire. Pas juste de la théorie et des concepts vagues non plus que tu connais, mais ce que vraiment Dieu a changé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ton cœur? Comment il t'a touché? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce que Dieu fait présentement dans ta propre vie? Témoigne, parle, partage, mais fais-le toujours avec une attitude qui reflète Christ. Parce que le fruit, s'il pousse ou s'il ne pousse pas, ça ne t'appartient pas. C'est pas dans ta cour, c'est dans la cour à Dieu. De la même façon, tu n'as pas besoin de t'irriter si ça ne pousse pas. Parce que comme je viens de dire, ce n'est pas ta job. Si ça ne pousse pas, fine. Pose-toi la question à savoir si tu fais bien ta job. Mais sinon, le reste ne t'appartient pas. Quand on s'irrite du fait qu'il n'y a pas de fruits, c'est souvent parce que nos motifs ne sont pas les bons. Puis ça, je vais en parler un peu plus loin. Quatrièmement, ça prend du temps. Je vous relis les versets 28 et 29. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, donc après ça, il y a un processus de maturation, on y met la faucille et c'est le moment de la moisson. Donc, ça prend du temps. On est dans une société de performance aujourd'hui où ce qu'on veut que tout aille vite. On sème un jour, puis on voudrait que le lendemain, dans notre jardin, tout soit arrivé à maturité, puis qu'on soit capable de manger de la salade, puis des fèves vertes, puis tout ça. Wow, on se calme. Prends le temps de cultiver, prends le temps de semer. Laisse le temps à cette semence-là de s'enraciner puis de grandir. C'est pas une question de performance. C'est pas non plus une question de passer le plus vite possible au prochain numéro, à la prochaine personne pour que mes chiffres soient meilleurs puis que je puisse dire que j'ai amené le plus de personnes possible à Dieu. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but pour qu'on se sente une meilleure personne parce que moi, j'en ai converti 40 personnes puis l'autre, lui, il en a juste converti deux. Ça n'a pas rapport, cette question de performance puis de comparaison-là. On est en train de parler de l'âme des gens, de l'âme de quelqu'un. Prends le temps. Prends le temps. C'est pas parce que tu es occupé avec quelqu'un que Dieu ne peut pas s'occuper des autres. Dieu va s'occuper des autres. Fais ta job. Prends le temps qu'il faut. Fais-le avec la bonne attitude. Puis, juste pour se poser la question, comme la réalité, c'est que le maître de la moisson nous dit de semer. Et si Dieu te demandait de semer pendant toute ta vie, puis qu'il ne te permettait pas de voir les fruits, aucun des fruits de ce que ta vie de semence a apporté, est-ce que tu continuerais à semer avec la bonne attitude? C'est une question qu'on peut se poser. Il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on s'arrête parce que notre job, c'est de semer puis de garder la bonne attitude. Numéro 5,
On doit savoir qu'est-ce qu'on sème. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on sème. Si vous avez déjà fait un jardin, vous le savez, on doit savoir ce qu'on sème parce que ça va influencer le sol dans lequel on va le semer, l'humidité qu'on va rechercher, l'irrigation qui est nécessaire, à quelle fréquence on doit justement mettre de l'eau, la profondeur qu'on doit mettre la graine en terre. Donc, de façon générale, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit s'assurer de savoir à qui on s'adresse, dans quelle terre on est en train de semer, qu'est-ce qu'on a à semer. Puis on doit s'ajuster en fonction du sol puis des autres paramètres dans lesquels on est justement. On peut avoir cette adaptabilité-là dans nos relations avec les gens, à s'adapter à quel genre de sol ils sont. Appliquez-vous à connaître Dieu pour pouvoir parler en connaissance de cause puis pouvoir enseigner Dieu aux gens en fonction de où ils sont rendus dans leur cheminement. Et non pas avec une théorie qui est vague ou une théorie qui vous a touché vous, mais qui ne va pas toucher nécessairement les autres personnes de la même façon. Dieu est un Dieu personnel qui cherche à nous atteindre d'une façon personnelle. Apprenez à connaître les gens. Apprenez à connaître à quoi leur cœur aspire. On en parle souvent de la formation Évangile langue seconde, mais cette formation-là que Simon donne est justement très utile pour nous équiper dans plusieurs de ces domaines-là en tant que chrétien, à identifier à quoi cette personne-là aspire et en quoi Dieu est une réponse à ce que son cœur aspire. En résumé, semez. Semez. Faites-le avec la bonne attitude et laissez Dieu faire le reste, ça, c'est la partie qui lui appartient à lui. Comme je disais au début, ça, c'est le sens numéro un. Il y a le sens numéro deux aussi, où ce que qu'on peut déduire, si c'est comme ça que ça se passe pour les autres, en fait, quand que nous, on évangélise, ce que je veux dire, c'est que on peut aussi se poser la question à comment ça se passe dans notre propre vie. Puis, il y a quelques questions que je voulais vous amener, ou quelques dimensions, en fait, pour nous. J'aimerais en regarder quatre avec vous. La première, c'est quel type de semence est-ce que vous êtes? Pour savoir si le fruit est mûr ou arrivé à maturité, on doit regarder le fruit. Vous avez des dons spécifiques. Vous devez regarder vos fruits, les fruits que vous portez. Et non les fruits de l'autre. On a tendance à se comparer puis dire qu'on voudrait produire ce que l'autre produit, mais le rang là, dans le jardin, le rang d'à côté, c'est peut-être un autre fruit complètement. On n'est pas appelé à se comparer aux autres, encore une fois. C'est peut-être une autre semence complètement qui va porter un fruit complètement différent. Vous, quel type de semence vous êtes? Quel fruit vous devriez porter puis porter en abondance? C'est la première des questions que je voudrais vous poser. Deuxième chose sur laquelle on doit réfléchir, c'est prenez le temps de grandir. On l'a vu au verset 28-29, mais il y a des étapes à franchir dans la croissance. On veut souvent arriver à maturité, puis on veut arriver à maturité là, maintenant. Parce qu'on s'est converti, on veut que la maturité soit là. Ça fait deux semaines que je suis converti, comme oui, je suis à maturité, j'ai tout compris, j'ai tout saisi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans une autre parabole qu'on va voir plus tard, le maître de la moisson, le maître dit à son serviteur, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Soyez fidèle dans les petites choses et prenez le temps de gagner en maturité. Brûlez pas les étapes. Il n'y a aucun avantage pour personne à essayer de brûler les étapes. C'est pas une question d'épater la galerie puis d'avoir un rôle qui est en vue. Non, c'est juste une question de grandir une étape à la fois, puis d'arriver à cette maturité-là. C'est pas une course, c'est pas qui va y arriver le plus vite. Ça se peut qu'il y en a qui y arrivent plus vite que vous. Il y en a qui ont cette capacité-là, qui vont maturer à une vitesse grand V. Il y en a d'autres que ça va prendre plus de temps. C'est correct. Prenez le temps. Mais grandissez de grâce. Grandissez. Restez pas au même niveau où ce que vous êtes une petite pousse toute verte, toute cute. Grandissez. Prenez-en de la maturité. Troisième chose, laisse Dieu te faire grandir. Ça dit que c'est Dieu qui fait grandir, c'est lui qui va nous nourrir, mais souvent on est comme un bébé qui refuse de boire. Quand un bébé refuse de boire, il se déshydrate très rapidement. C'est la même réalité avec nous. Ça ne fait pas des enfants forts, comme ils disent, quand on refuse de se nourrir.
Laisse Dieu t'émonder. Laisse Dieu mettre un tuteur dans ta vie. Tu sais, quand on plante et que ça a tendance à pousser croche, des fois, on va mettre un tuteur après ou une cage autour de nos plants de tomates pour pas qu'ils s'écrasent. Pis... Mais nous autres, on voit ces choses-là comme « Non, non, j'ai pas besoin de ça, moi. » Oui, oui, tu as besoin de ça. C'est correct. Laisse Dieu te mettre un tuteur dans ta vie. Laisse Dieu désherber autour de toi, émonder, couper les branches qui ne portent pas de fruits. C'est correct. C'est pour ton bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse le vent souffler aussi. Ça prend du vent qui souffle pour que les plantes développent des racines qui sont fortes, larges et profondes. S'il n'y a pas de vent qui souffle dans ta vie, tu vas manquer de profondeur. Quand laisse les petites tempêtes passer dans ta vie, puis quand les petites tempêtes vont passer, crie à l'aide au maître de la moisson de te protéger durant ces tempêtes-là, mais tout ça va contribuer à te fortifier. Tout ça va contribuer à te rendre plus fort. Puis c'est correct. L'épître de Jacques en parle, les épreuves de la foi, d'autres passages aussi. On a besoin de ces épreuves-là pour produire des choses dans notre vie, pour nous donner des racines qui sont plus profondes. Alors, essayez pas de couper court. Essayez pas d'éviter les épreuves puis les tempêtes comme si c'était quelque chose absolument à éviter. Non, non. Ça pratique votre patience. Ça pratique plein de choses dans votre vie. Votre capacité à vous confier en Dieu, votre capacité à dépendre de lui quand que vous réalisez que vous n'avez plus le contrôle. Bref, ça va développer différentes facettes de ce que Dieu veut développer pour que vous puissiez produire beaucoup de fruits. Quatrième et dernière chose, porte du fruit. Le but en bout de ligne, c'est d'être capable de porter du fruit. Pas le fruit que toi, tu vas avoir choisi. Pas le fruit que tu aimerais porter, mais le fruit pour lequel tu as été designé à porter. C'est ce fruit-là que tu es appelé à porter. Le fruit qu'un épi de blé, par exemple, va porter, ça ne lui sert jamais à lui d'une façon égoïste. L'épi de blé va pousser, va porter du fruit. C'est quoi son avantage à lui? Il n'y a pas d'avantage pour lui. Il est juste appelé à pousser, puis son fruit va servir à nourrir d'autres personnes, à nourrir les autres ou à replanter justement pour que d'autres puissent pousser puis se multiplier. Donc, le but d'un fruit dans notre vie, c'est pas que ça nous serve à nous d'une façon égoïste, mais que ça puisse servir dans le royaume de Dieu. C'est ça son plan, puis son plan, il est parfait. Si on le faisait tous, ça serait merveilleux. Fait que le but de nos fruits, c'est jamais pour se glorifier, pour se sentir meilleur qu'un autre ou pour notre avantage personnel, mais c'est pour glorifier Dieu. Porter du fruit en abondance, en laissant Dieu vous nourrir puis vous faire grandir, en franchissant les étapes une après l'autre avec un pas certain, mais sans se précipiter. C'est ce que je vous encourage, c'est ce que cette parabole-là nous enseigne, puis c'est ce que je veux qu'on vive en tant que chrétien, en tant qu'Église, à être capable d'être patient envers les autres qui cheminent, puis être patient envers nous-mêmes qui cheminent aussi. En terminant, j'aimerais vous soumettre deux requêtes de prière. Première chose pour Philippe Jean. Vous vous rappelez cet homme-là qui a été frappé par une voiture au Walmart. Peu importe la situation, peu importe qui est fautif dans cette situation-là, je ne suis pas là pour être un juge de cette situation-là, ça ne me regarde pas. Par contre, je sais que cet homme-là, il est toujours dans le coma, puis il y a des up and down dans son état de santé. Il était revenu aux soins intensifs. Là, je crois qu'il est ressorti des soins intensifs, mais bref, cet homme-là est d'une situation pas facile, puis sa famille et ses enfants aussi sont dans cette situation-là. Je vous encourage à les garder en prière. Les garder en prière, que Dieu puisse prendre soin d'eux, puisse les entourer. Puis une autre famille aussi, Cathy Mathieu, ceux qui sont abonnés à la communauté Axe 21, Cathy nous a partagé qu'un de ses amis est décédé en laissant dans le deuil sa femme puis ses jeunes enfants. C'est une famille de Sherbrooke, je n'ai pas leur nom, moi je ne les connais pas personnellement, en tout cas pas que je sache, mais Dieu lui les connaît, fait que je veux vous demander de prier pour cette famille-là. C'est une épreuve terrible de vivre ça de cette façon-là, dans cette période-ci. Je vous encourage à prier pour cette famille-là qui ont perdu leur papa, que vraiment Dieu les soutienne dans cette épreuve-là, que Dieu soit leur réconfort, que cette femme-là ait la sagesse d'aller se réfugier en Dieu puis dire à Dieu, « Je comprends pas tout, mais j'ai besoin que tu me portes, j'ai besoin que tu me supportes. »
On va terminer en prière, si vous voulez bien. Oui, Dieu, on veut te remercier pour cette vie que tu nous prêtes. On voit que la vie, elle est fragile. On voit que la vie, elle est pas simple. Puis la chose qui nous rassure, c'est qu'on voit que tu es à côté de nous. Tu as un plan pour nos vies, tu as un plan pour l'humanité qui est parfait, qui n'est pas facile, qui comporte des batailles, mais qui est complet puis qui est parfait. Aide-nous à être soumis à ton plan à chaque instant. Je veux te prier pour ces deux familles-là, pour Philippe qui est dans le coma, pour sa femme, ses enfants, l'autre dame. Je veux te prier pour eux que tu puisses les soutenir. Toi, tu sais exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin au plus profond de leur cœur. Que tu puisses veiller sur eux, que tu puisses mettre des chrétiens sur leur route pour prendre soin d'eux, veiller sur eux, puis qu'en communauté, on soit capable de s'épauler puis de prendre soin les uns des autres de cette façon-là. Je veux aussi te prier en lien avec cette parabole qu'on a regardée, que tu puisses nous donner la patience de semer dans la vie des gens, puis à pas avoir l'impatience de vouloir des fruits maintenant, tout de suite. Que tu nous rassures par rapport à notre tâche, notre responsabilité à nous, qu'on soit justement ces serviteurs fidèles qui sèment, qui sèment, qui sèment, qui le font avec la bonne attitude, qui le font de la bonne façon. On veut être des semeurs qui sèment de la bonne façon et non pas n'importe comment à botch, puis juste pour soulager notre conscience. Alors, on veut te prier de continuer de nous faire grandir dans ce sens-là, puis de nous faire grandir dans le sens où ce que nous aussi, on est une des semences que tu es en train de faire grandir pour nous amener à maturité. Émonde la prochaine chose à émonder dans nos vies. Arrache les prochaines mauvaises herbes. Permet qu'on puisse grandir puis qu'on puisse porter du fruit puis du fruit en abondance pour ta seule gloire à toi. Permet pas qu'on s'enorgueillisse, que tu puisses justement nous garder tous et toutes humbles dans ce processus-là où ce qu'on réalise que celui qui fait grandir, c'est pas nous-mêmes. Celui qui fait grandir, c'est toi. Puis que toute la gloire puisse te revenir à toi et non pas à nous-mêmes. Amen. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se voit dimanche avec notre programme régulier. Puis sinon, on se revoit lundi avec la prochaine dévotion, encore une fois, sur des paraboles de Jésus. Bonne fin de semaine.